Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Comme hier, on l'a dit, on était dans la nature. Aujourd'hui encore, nous sommes dans la nature. Voilà, c'est important de temps en temps de sortir pour s'aérer l'esprit. Voilà, cela nous évite d'être tout le temps stressé. Voilà, parce que quand on est cloîtré toujours entre quatre murs, arrivé un moment, chaque petit truc nous énerve. Alors, c'est bon souvent de sortir pour s'aérer l'esprit et ça nous rend encore plus productif en fait. Voilà, donc de temps en temps comme ça, on sort pour venir dans la nature. Voilà, pour communier avec la nature. C'est très très important pour l'équilibre. Voilà. Et donc, ce matin, nous allons parler un peu d'économie. Nous allons parler de la RDC. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, alors activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Donc ce matin, nous allons parler de la Centrafrique RCA. Voilà, nous allons parler de comment on appelle l'adoption en crypto-monnaie qui a été faite là-bas. Donc on va essayer d'en parler. Donc abonnez-vous, partagez les vidéos massivement. Voilà, donc dernièrement, il y a une équipe d'experts qui sont arrivés en RCA, République centrafricaine. Voilà, pourquoi? Parce que voilà, ils sont venus à la demande du Conseil économique et social, à la demande du président Touadéra. Donc, ils sont venus pour faire quoi? Pour juste apporter leur expertise. Alors, c'est une équipe française, belge. Et en tout cas, comment on appelle, Suisse, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, ils sont venus pour apporter leur expertise en termes de crypto-monnaie, Bitcoin, en termes de blockchain, en termes de solutions d'innovation pour aider la Centrafrique, qui est désormais le premier pays africain à adopter le Bitcoin comme monnaie de souveraineté aux côtés du franc CFA. Alors, la première des choses à faire, c'est toujours chercher à se former. Alors, vous voyez pourquoi nous parlons tout le temps de formation. Alors, le président Akanji, alors, c'est ce qu'il sait et c'est ce qu'il fait. Parce que c'est un mathématicien, c'est un scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle des experts. Alors, venez nous instruire davantage sur cette nouvelle technologie. Quels sont ses avantages qui sont connus et méconnus de notre côté? Alors, venez instruire la population. Alors ça va arriver dans tous les domaines. Alors tout ce qu'on va faire tout à l'heure, il y a on va dire quelques émissions qui ont parlé de ça. Alors nous allons faire une excursion rapide et puis nous allons revenir, voilà, après ces émissions-là pour vous montrer un peu, un tant soit peu, comment ça s'est passé. Et puis il y a des émissions de télé aussi qui en ont parlé, des experts aussi ont été invités pour parler un peu de tout ce qui va se passer là-bas. Nous allons jeter un coup d'œil rapidement dessus et nous revenons pour continuer là. Sur l'invitation du Conseil économique et social, la délégation des experts de Bitcoin est arrivée à l'aéroport international de Bangui-Poukou à 9h30 à bord d'un vol spécial, puis a été accueillie par le bureau du Conseil économique et social, à sa tête son président Alfred Tainga Poloko. Celle-ci est à Bangui pour animer le vendredi prochain au palais de la CEMAC une conférence débat sur Bitcoin à l'intention de l'élite nationale et de la société civile, suivie d'une large communication sur la question à l'intention de la population. Le chef de mission. Avec la délégation qui m'accompagne, dont il y a 6 ou 7 spécialistes du Bitcoin, c'est pas seulement français. J'ai des Suisses, des Belges, donc ce sont des spécialistes internationaux. Ils étaient d'ailleurs deux d'entre eux au Salvador la semaine dernière, où il y avait 40 banques centrales et ministres qui étaient réunis, parce que vous savez que le Salvador a déjà aussi pris le Bitcoin comme monnaie. C'est très important que les commerçants, les citoyens voient d'une manière concrète comment on peut régler ces problèmes, vous voyez. Et donc ce que nous aborderons, on peut le dire un peu avant, mais on va s'enrichir d'abord pendant 2 jours de tout ce qu'on aura entendu, mais ce qu'on voudra donner comme axe, c'est de dire: vous êtes un pays souverain, Centrafrique. Vous avez pris cette décision. On est là pour apporter des solutions techniques, concrètes, à ce que vont poser les questions comme les commerçants, les sociétés, hein, les citoyens. Et donc, on va essayer,
on verra petit à petit. C'est pas en trois jours qu'on va résoudre tous les problèmes. Hein. Mais on va faire dans trois ou quatre directions. La première, c'est les wallets, ce qu'on appelle les wallets, c'est-à-dire en fait des portefeuilles en français, mais en Bitcoin. Et qu'on va installer auprès d'une quinzaine de commerçants pour leur faire voir que c'est finalement assez facile d'avoir des wallets en Bitcoin et comment on peut les échanger ici ou là. Ensuite, on pourra voir aussi comment on peut miner, parce que pour faire du Bitcoin, il faut le miner et même du green mining pour que ça ne consomme pas trop d'énergie. On a des solutions aussi pour attirer la finance internationale à travers ce minage et qui après pourra faire créer des infrastructures ici au pays. Voilà, la première vidéo que nous avons présentée déjà, alors elle présentait ces experts-là, européens-là, qui sont venus pour apporter leur expertise à l'écosystème qui est en train de se mettre en place en République centrafricaine. Et ça, c'est des choses qui sont très notables. La formation avant tout. La formation avant tout. Quel que soit ce que tu vas faire comme domaine d'activité, il faut te dire souvent, il y a toujours des précurseurs. C'est-à-dire des gens qui savent déjà, voilà, comment ça marche, quelles sont les opportunités qui sont autour. Toi, tu viens d'arriver, alors tu viens dans un village pour la première fois, tu ne viens pas te jeter là en train de prendre des décisions, faire n'importe quoi, tu ne connais pas les règles. Alors, tu appelles le chef du village, voilà, c'est comment ça se passe ici dans ton village, et alors tu es sûr d'arriver à bon port. Voilà, c'est la même chose. Ils viennent d'arriver dans l'écosystème crypto. Ils savent que c'est une innovation, mais ce n'est pas suffisant. Alors, il faut s'entourer des experts pour que cette innovation soit le plus profitable possible. Voilà ce qui s'est passé. Alors, nous avons présenté ça. Nous allons repartir encore regarder une autre vidéo. Cette fois-ci, c'est sur une chaîne de télé. Voilà, un expert aussi a été invité pour parler un peu de tout ce qui est en train de se passer en République centrafricaine, quels sont les impacts au niveau social, au niveau politique, au niveau, au niveau des innovations et comment on appelle, économiques aussi, dans le pays. Alors nous allons regarder rapidement aussi cette vidéo et puis voilà, on va revenir et puis faire un petit commentaire là-dessus. Vous regardez Afrique Informe Télévision et précisément 7 minutes pour convaincre. C'est un plaisir de le savoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de 7 minutes pour convaincre. Le 27 avril dernier, le président centrafricain, le professeur Faustin Archange Touadéra, a promulgué la loi adoptée par le Parlement, faisant ainsi du Bitcoin une monnaie ayant cours légal dans le pays aux côtés du franc CFA. Quels sont les jeux et les enjeux d'un tel choix dans le pays de la sous-région Afrique centrale qu'est la RCA? Nous questionnons cela dans cette nouvelle édition avec M. Jules Njawe. Il est le président du patronat entrepreneur panafricain. Bonsoir, M. Jules. Bonsoir, bonsoir. Blague, bonsoir. De la crypto. Mais ce n'est pas pour autant que la France soit sortie de l'euro. Voilà. Bien évidemment. Donc, sachons raison garder qu'aujourd'hui en Afrique, à la tête de nos États, nous avons des gens qui pensent différemment. Et le président professeur Faustin Archange Touadéra pense différemment. Il essaie d'anticiper. Il ne faut pas qu'on s'attarde sur le côté pauvreté du pays. Ça, c'est la pauvreté matérielle, certes, mais la richesse intellectuelle, elle est là. Je vais y en venir, mais d'une autre manière. Vous avez parlé tout à l'heure de la démission des responsabilités des institutions bancaires de la sous-région. Oui. Alors, la question que je vais vous poser maintenant est celle de savoir comment comprendre qu'un pays qui a un taux de couverture Internet approximatif puisse adopter une telle loi. Justement, quand l'intelligence est mise au défi, la situation centrafricaine mène nos intelligences au défi. Il faut trouver des solutions. En faisant passer la loi sur la crypto-monnaie, en lançant l'opération Sangocoin, qui est une opération de séduction, la RCA est un État très riche. La RCA a beaucoup de mines. La RCA est un pays pauvre. Il n'y a pas d'infrastructure. Mais en allant sur le marché boursier de la crypto, oui, nous allons capter des investissements. C'est ces investissements qui viendront résoudre la problématique de la fracture numérique. Il faut prendre le problème à l'inverse. Nous devons sortir des schémas classiques qui, depuis 70 ans, nous ont maintenus dans l'asservissement. Nous devons penser différemment. Nous devons aller vers une recherche des solutions nouvelles. À vous entendre parler, vous êtes un peu comme l'un des acteurs clés de l'implémentation de cette monnaie en RCA. Je suis très actif en RCA.
Je ne suis pas un exacteur. Donc, cette deuxième vidéo-là, je vais laisser le lien dans la description pour ceux qui veulent regarder la vidéo entièrement. 7 minutes pour convaincre là. Voilà, c'est une émission sur Afrique Info. Vous allez partir regarder cette édition. Voilà, donc l'émission totale, en tout cas l'intégralité, elle est là-bas. Vous pourrez aller regarder. Voilà, vous enquérir encore de d'autres. On a juste montré l'extrait pour que vous voyez un peu comment ça se passe. Voilà. Et donc, que tout ce qu'on doit comprendre à travers cette innovation, c'est que l'Afrique est en train de prendre des décisions. L'Afrique est en train de s'affranchir au niveau économique. Voilà. Il n'est pas dit que le franc CFA va disparaître, mais juste se donner une autre alternative à côté du franc CFA. Parce que depuis les indépendances, c'est la même forme qui a été utilisée. Alors, la Centrafrique s'est dit qu'il est temps de passer à autre chose. Alors, ils ont décidé d'adopter le Bitcoin, qui est aujourd'hui l'une des innovations les plus lucratives, on va dire. Donc, mettre le destin de tout un pays dans une nouvelle technologie, alors on ne va pas aller, on ne va pas le faire de façon, je vais dire, comme des amateurs. Alors, il faut devenir des professionnels. Alors, pour que tu deviennes un professionnel, alors il faut travailler avec des professionnels. Voilà pourquoi aujourd'hui, la Centrafrique va devenir le nouveau Eldorado de la crypto-monnaie. Alors, la Centrafrique est en train de mettre un écosystème favorable pour attirer tous ceux qui sont des investisseurs dans le domaine de la crypto-monnaie pour dire, façon, comment on appelle, à Malte, voilà, à Malte, ils ont mis une fiscalité assez souple pour les crypto-monnaies. Ils ont mis un cadre juridique assez agréable pour les crypto-monnaies. Alors, toutes ces facilités ont fait que les crypto-monnaies, les entreprises de crypto-monnaies sont allées là-bas. Voilà aussi le Salvador qui aussi a fait la même chose en invitant tous les mineurs qui avaient été chassés préalablement en Chine. Alors, il les a invités pour venir utiliser la géothermie des volcans, voilà, pour faire le minage des crypto-monnaies. Alors, tout ça, c'est pour montrer que chaque pays est en train de faire la course à la séduction des entreprises de crypto-monnaies et de blockchain. Alors, la République centrafricaine accomplit cela. Alors, ils sont en train de mettre en place même eux-mêmes leur propre crypto-monnaie qu'on appelle le Sango. Alors, ce Sango-là, c'est, selon les dits de cet expert-là, le Sango sera une crypto-monnaie communautaire et aussi, ça va mettre en place aussi un cadre juridique, un cadre, idéal pour tout investisseur de crypto-monnaie dans le monde. Il dit tous les cryptomans. C'est ce qu'il a dit dans la vidéo. Il dit tous les cryptomans sont invités à venir en Centrafrique et ceux qui veulent venir installer, si tu es par exemple dans le domaine des téléphonies mobiles, voilà donc de l'internet, qui fait les offres de connexion internet, alors tu es invité là-bas à venir offrir tes services là-bas parce que la connexion internet, tout ce qui est couverture réseau, c'est un petit problème aussi. Alors ils disent que tout ça, ils considèrent ça que ce sont des défis. Effectivement, ce sont des défis à relever, voilà. Alors, si tu ne te donnes pas des défis dans la vie, tu ne vas pas pouvoir dépasser tes limites. Alors, ils se sont donné des défis. Voilà, alors ils sont en train de chercher maintenant les solutions. Alors, ils mettent en place, d'abord, première des choses, ça a été tellement ingénieux. Ils mettent en place un cadre juridique qui passe par le Parlement. Alors, le Parlement adopte de façon nationale. Donc, déjà, le cadre juridique est déjà là. OK? Par la suite, maintenant, il faut faire la séduction au niveau international. Auprès des investisseurs en crypto. Alors, ces investisseurs en crypto, ce sont des entreprises, ce sont des individus qui cherchent aussi des endroits où ils seront bien accueillis pour parler de la crypto-monnaie. Alors, on les invite en Centrafrique pour venir installer les infrastructures de minage, pour venir installer les entreprises, les différentes applications qui permettent de faire des échanges. Alors, tout ça, c'est l'évolution de la Centrafrique qui est en train de s'amorcer. Alors, la Centrafrique, n'oublions pas que c'est le deuxième pays le plus pauvre au monde selon le classement international.
la FMI. Alors c'est le deuxième pays le plus pauvre. Alors si le deuxième pays le plus pauvre au monde commence à se positionner au plus haut sommet, alors vas-y comprendre quelque chose, qu'ils ont compris quelque chose que ceux-mêmes qui sont parmi les 10 premiers n'ont pas compris. Alors c'est ça que le dernier pays, on va dire, l'un des derniers pays a compris et il se positionne. Il se positionne et donc dans les 10 années à venir, alors ce n'est plus la, le même pays que tu as connu, qui est pauvre, que tu appelles pauvre, que tu vas connaître parce que alors ça va, ce pays va se donner l'expertise, va se donner tout. Parce que même dans l'éducation, scolaire des enfants, tout ça, ça veut dire que quand quelque chose est pris déjà au niveau national, même dans l'éducation des enfants à l'école primaire, alors la blockchain sera enseignée là-bas. Est-ce que vous comprenez ce que ça signifie? Dans les livres économiques là-bas, tout va changer. En fait, tout l'écosystème de l'éducation va changer là-bas. À depuis le primaire jusqu'à l'université, la blockchain et les crypto-monnaies seront enseignées. Voilà de quoi on est en train de parler. Alors, dans 10 ans, des enfants qui avaient 5 ans, 10 ans, et alors qui vont commencer à se frotter à la blockchain, alors quand ils seront à l'université, alors c'est des développeurs d'applications décentralisées qui vont naître en Centrafrique. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les 10 années à venir? Ça veut dire que la Centrafrique sera l'un des leaders comme le Salvador dans les innovations des technologies parce que les enfants qui ont grandi pendant plus de 10 ans, les enfants qui auront grandi avec la technologie blockchain qui se sont frottés à ça, par rapport à un pays qui a traîné les pas et qui est venu prendre le train en marche, alors la Centrafrique sera un pays leader. Voilà ce qui est en train de se mettre en place. Alors, c'est ce qui fait peur à l'Occident aussi. C'est ce qui fait peur à l'Occident. Alors, tout compte fait, chacun y va, chaque pays va prendre en fonction de sa réalité. C'est pourquoi les 44 se sont retrouvés au Salvador, 44 pays, pays en voie de développement se sont retrouvés au Salvador. Pourquoi? Pour aller prendre l'expertise là-bas aussi. Parce que le premier pays déjà au monde, c'est le Salvador qui a adopté le Bitcoin. Alors, ils sont allés là-bas pour aller demander au président Naïb, ah, mais comment tu as fait? Quelles sont les opportunités? Alors, il faut nous instruire. Alors, il va mettre à disposition tout ce qu'il faut pour que ces pays-là se mettent à jour. Alors, c'est la même chose que la Centrafrique aussi fait aujourd'hui. Voilà, en s'entourant de tous ces experts-là qui quittent l'Europe parce que eux aussi, en tant qu'Européens, pendant que les juridictions, les différentes lois qui sont là-bas ne sont pas souvent trop favorables à la crypto-monnaie. Alors, quand ils trouvent un pays qui est en voie de développement, qui a besoin de financement, pendant qu'eux ont beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent créer des partenariats gagnant-gagnant. Alors, non seulement ils ont un cadre légal où ils peuvent vraiment mettre en place leurs entreprises et prospérer, mais en même temps en faisant prospérer le pays. Alors, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui est en train de se mettre en place. Voilà ce qu'on doit comprendre à travers cette analyse, voilà, et tout ce qui est en train de se mettre en place. Dans les 44 pays qui se sont positionnés, qui sont allés prendre les informations, alors ne soyez pas surpris. Dans les mois et les années à venir, alors vous allez voir individuellement ces pays-là s'affranchir aussi et parler maintenant d'adoption massive, parler aussi de légalisation du Bitcoin au niveau national. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Si tous ces pays commencent à accepter le Bitcoin, alors nous parlerons maintenant d'adoption massive. Il n'y a seulement qu'autour de 300 millions d'individus qui sont informés de la crypto-monnaie. 300 millions d'individus. Ce qui fait de sorte que l'adoption massive de la crypto-monnaie est autour de 3 à 5%. Et les 95% restants, alors c'est une niche à prendre. Alors ce sont ces niches-là que ces entreprises-là sont en train de prendre. Donc toutes les entreprises innovatrices dans le monde de la blockchain, alors sont en train de prendre. Et donc, si je vais vous donner par exemple un exemple, vous savez qu'en Afrique, souvent il y a des problèmes de terre. Il y a des problèmes de terre, il y a des problèmes de succession. La blockchain gère tous ces trucs. Cette même application même existe déjà au Ghana qu'on appelle Bitland. Alors, donc, avec la blockchain, alors si un terrain est vendu à X, alors un Y s'élève là-bas pour dire que le terrain l'appartient. Avec la technologie blockchain, une fois qu'une information est implémentée dans la blockchain, elle est immuable, elle est infalsifiable. Alors, grâce à la blockchain, ça va sécuriser le côté
foncier dans les pays africains. Voilà un exemple d'utilisation de la blockchain. Voilà un exemple d'utilisation de la blockchain. Un autre exemple d'utilisation de la blockchain, vous savez que souvent, les gens dans les pays, dans certains pays, changent aussi leur identité aussi facilement que comme si c'était bonjour. Alors, ou bien les mères qui ont, comment on appelle, fait l'accouchement et qui ont eu des enfants, souvent on vole les enfants, ou bien souvent, comment on appelle, l'identité des enfants à l'accouchement peut être changée, ou bien la mère peut perdre le carnet, tout ça là. Il faut passer souvent même par des procès juridiques pour pouvoir récupérer certaines informations, tout ça, parce qu'il y a des gens qui volent les enfants dans les hôpitaux. Donc, pour éviter ça aujourd'hui, grâce à la blockchain, dès qu'un enfant naît dans un hôpital, alors les informations concernant l'enfant et l'hôpital, tout ce qui a été fait dès l'heure de l'accouchement, tout est implémenté dans la blockchain, c'est fini. On ne peut plus changer quelque chose. Vous comprenez? On ne peut plus changer quelque chose. Tout est implémenté dans la blockchain. Alors, même la mère, si elle a perdu le carnet, elle ne vient que seulement avec son code. Elle rentre dans l'application. Ça lui sort rapidement en même temps les informations concernant son enfant. Voilà des choses qu'on peut faire. Vous voyez aussi les extraits de naissance, tout ce qu'on fait en termes de, d'identification. Voilà, tout ça, on peut utiliser la blockchain pour sécuriser tout ça. On peut utiliser la blockchain pour imprimer, c'est-à-dire mettre tout ça dans une sécurité au point que quelqu'un, tu ne peux pas te lever pour venir changer ton identité comme ça. C'est-à-dire qu'une fois que c'est fait, c'est fini. Tu ne peux plus changer cette identité à souhait. Voilà, tu passeras vraiment par des procédures assez rigoureuses avant de pouvoir le faire. Donc la blockchain, même dans la traçabilité des produits, voilà, dans la traçabilité des produits, c'est possible, la blockchain déjà le fait. Grâce à la technologie VeChain vous permet de le faire. La traçabilité des produits. Le produit a été créé, le riz a été fait dans tel champ. Alors, il y a eu un problème sur le riz quelque part là-bas. Alors, on va faire la traçabilité de ce produit-là pour aller voir dans quel champ ça a été fait. C'est quel producteur qui a produit le riz. C'est dans quelle usine ça a été, décortiqué. Et c'est dans quel sac ça a été mis. Alors, c'est quelle compagnie ou bien quelle société qui a, payé ce stock-là. Alors, tout est tracé et tout est dans la blockchain. Vous voyez, la blockchain a tellement d'utilité. Les experts nous disent que la blockchain n'a même pas encore déployé ne serait-ce que 10% de tout ce qu'elle peut faire actuellement. Est-ce que vous le savez? Donc, voilà un peu tout ce qui va être, utilisé par la Centrafrique quand ils vont commencer à connaître le plein potentiel de la blockchain. Voilà des choses qu'ils vont pouvoir utiliser, voilà, pour mettre le pays sur les rails pour que le pays aille compétir au niveau international avec les pays dits les pays développés, avec les pays dits les pays les plus riches. Alors, eux aussi vont pouvoir aussi parler parce qu'ils auront équilibré aussi les choses parce que le Bitcoin vient mettre les compteurs à zéro. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur tout ce qui concerne, la Centrafrique et les innovations, l'adoption au niveau du Bitcoin qui est en train de se faire là-bas. Voilà. Et donc, pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Voilà, le numéro est dans la description de cette vidéo. Vous pouvez rentrer en contact avec moi pour bénéficier de ces formations en ligne, sécuriser vos acquis, profiter de tout l'écosystème de la crypto-monnaie, qu'on soit en baisse, qu'on soit en hausse dans le marché. Alors, vous allez pouvoir, surfer sur la volatilité des crypto-monnaies et faire de l'argent et améliorer votre existence. Voilà, pour la formation au niveau, d'Abidjan pour la 4e édition cette fois-ci. Alors, rentrez en contact avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette pour les différentes inscriptions. Voilà, et ça c'est pour la 4e édition. La date n'a pas encore été donnée, alors rapidement inscrivez-vous. Pour la formation au niveau de Ouagadougou, cette fois-ci pour la 3e édition, rentrez en contact avec le leader Dieudonné, voilà pour vos différentes inscriptions. La formation en RDC, rentrez en contact avec le leader Faustin pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, alors c'est le leader Abraham qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le leader Mama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Alors, la formation au niveau de la Côte d'Ivoire, cette fois-ci, au niveau de la Côtière, à San Pedro,
Alors, nous avons le leader Tébi Joseph qui va interagir avec vous. Alors, la première édition aura lieu du 9 au 10 juin prochain, si la date ne change pas. Alors, nous serons à San Pedro pour interagir avec nos amis et frères de San Pedro. Voilà, la formation au niveau d'Abenguru, c'est toujours avec le grand leader Yapi que vous devez interagir pour cette formation. La formation au niveau de Korogo, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Djedje que vous devez interagir. Et la formation au niveau de Man, le Grand Ouest, alors c'est toujours avec le grand leader Nyawa que vous devez interagir, leader très dynamique. Voilà, la formation au niveau de Daokro, c'est toujours avec le grand leader Yaya que vous devez interagir. Voilà, nous avons déjà ici présenté tous nos représentants dans les différentes zones. Voilà, et sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.